Salut tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Là il doit être midi 10 et on s'en va avec mon pote dans un magasin de bricolage pour aller chercher une vis pour réparer un truc dans l'appart qu'on a pété hier soir. Et du coup là les deux filles ils restent à l'appart, ils vont aller, ils vont changer pour aller à la plage et nous on va vite fait dans un magasin de bricolage réparer, retourner à l'appart, réparer le problème. Et après on ira les rejoindre, on fera un pique-nique sur la plage et tout. Voilà, et cet après-midi, escape game. Donc on a un petit programme pas mal. Du coup là on vient de finir de manger et là on se promène sur le bord de plage de Deauville. Il y a plein de barrières derrière moi avec plein de noms de célébrités, donc je vous en ai pris quelques-unes. Et là après on continue à se promener vers 16h, faut qu'on aille à l'escape game. Voilà. Et ça on va l'utiliser pour le code brief, on va l'utiliser pour le code. Et ça, à mon avis, ça, à mon avis, c'est ça, parce que regarde, t'as un rouge, vert, bleu, je pense que c'est bleu, non, si c'est bleu, bleu. Du coup, là, on sort de l'escape game sur le thème apprenti sorcier, et c'était super bien. On a réussi à sortir avec 5 minutes d'avance, je crois. Et même le monsieur qui s'occupait de nous, le game master, il nous a dit qu'on était pour une première, une vraie grande première. On était genre incroyable, genre il avait jamais vu des gens aussi efficaces que nous, c'était grave cool parce que vraiment on en avait jamais fait et là c'était notre grand premier à tous et c'était grave cool. Du coup là on est retourné à Villers et là on va boire un coup dans un bar. Et après on va retourner à l'appart tranquille et on a vu qu'il y avait peut-être un marché couvert, un marché de nuit ce soir, donc du coup on va peut-être aller le faire, on ne sait pas encore. Salut tout le monde, on se retrouve le matin, il doit être 11h par là. Et là, comme mardi, on retourne au marché. On avait repéré quelques trucs à acheter et du coup, on s'est dit qu'on allait retourner à la fin des vacances. Et du coup, là, on y va là. Et on a un programme chargé pour aujourd'hui. On va peut-être aller faire du mini-golf, on veut manger une crêpe, faire un resto. Programme chargé. On se retrouve les jambes. Là, on est sur le chemin pour retourner à l'appartement. On est allé au marché, on a acheté pas mal de souvenirs, plein de trucs. Donc ça, c'est cool. Et là, cet après-midi, on va sûrement aller à la plage parce que malgré les nuages qu'il y a là derrière, il y a pas mal de ciel bleu. Du coup, on va se préparer et on va manger d'abord, se préparer, aller à la plage. Et ce soir, on a dit qu'on se ferait bien une pétanque parce que c'est les vacances
et après un resto pour clôturer les vacances, suivi d'un mini golf. Donc on va faire ça et après on va rester peinard à la barre. Et voilà, je vous emmène avec moi. Du coup, comme vous avez vu, on est allé faire une petite partie de pétanque. Et là, on est tous retournés à la barre pour se préparer. Donc on s'est remis en mode BG, comme on dit. Parce que là, on part au resto. Et après, normalement, s'il n'est pas trop tard, on va se faire une partie de mini-golf. Parce qu'on en a vu un qui fermait vers minuit. Donc on s'est dit, on va aller là-bas. L'appart, on vient de rentrer du resto, on est allé au resto, on est allé sur la plage prendre quelques photos avec le coucher de soleil et après on a pris un dessert parce qu'on n'avait pas pris au resto dans une crêperie et c'était super bien. Là vous ne voyez plus, il va bientôt avoir de la lumière, mais c'était super bien, on a passé une super bonne soirée de fin de vacances parce que bah, demain c'est déjà le départ. Demain matin, on va faire pas mal de ménage dans l'appart et pour le rendre nickel comme on l'a trouvé. Et on va partir vers 13h, je pense, 13h, 14h, parce qu'on a encore 2-3 heures de route, 2h30, 3h, je crois. Et du coup, voilà. Du coup, là, on a dû se lever vers peut-être 9h30, par là. On a déjeuné, on s'est préparé et on a fait tout le ménage pour rendre l'appartement comme on l'a trouvé. Et après là on va se détendre un peu, on va attendre que du coup la mère de ma pote elle arrive, qu'on va manger et après on va jouer le coup de 13h30, 14h, on va partir pour 2-3 heures de route.